Première chose à savoir sur Matthijs de Ligt. Cristiano Ronaldo a recruté de Ligt. C'est grâce à CR7 que de Ligt rejoint le Real de Madrid. Pourquoi ? La Juventus de Turin, excusez-moi. CR7, après la finale de la Ligue des Nations, a demandé à Matthijs de Ligt de le rejoindre à la Juventus. Ce dernier n'était pas conscient sur le moment de ce que CR7 lui disait, car il avait perdu une finale et il ne pensait pas du tout à ça. Mais de Ligt, grand fan de CR7, il le dit dans des déclarations qui sont apparues très récemment, que c'est un très grand fan de Cristiano Ronaldo et qu'il était encore plus fan de lui lorsqu'il était à Manchester United. Donc c'est logique qu'il soit attiré par la vieille dame. Outre Cristiano Ronaldo, la Juventus de Turin valide toutes les exigences de Ligt. Mais vraiment, grâce à Cristiano Ronaldo, la Juventus de Turin a pu balayer toute la concurrence, que ce soit le PSG, que ce soit Real Madrid, que ce soit le FC Barcelone, que ce soit Manchester. Ils ont pu s'octroyer le défenseur néerlandais. Deuxième chose à savoir, toujours en lien avec la Juventus de Turin, il y a eu une chose qui a été primordiale pour lui, c'est la clause libératoire. De ce que j'ai vu et compris, si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. En France, il n'y a pas de clause libératoire comme dans certains autres championnats. En Italie, la clause libératoire de Ligt va être de 150 millions d'euros. Ce qui, j'ai envie de dire, n'est pas méga élevé pour un joueur comme lui, sachant que dans les années à venir, sa cote va encore monter. Avec une telle clause, il peut aisément rejoindre dans les années à venir un grand club comme le Barça et le Real de Madrid. Franchement, c'est ça qui a énormément joué dans sa probable signature à la Juventus de Turin, en plus de CR7 The Goat. Troisième chose à savoir sur De Ligt. Avant de jouer au football, il a commencé à jouer au tennis comme son père et au hockey sur gazon comme sa mère. Mais ce n'est pas fait pour lui. Il a laissé ça très rapidement. Et on a pu voir que très tôt, il a commencé le foot à l'âge de 6 ans. À l'âge de 9 ans, il a rejoint le... Il a débuté très tôt professionnel à l'âge de 16 ans. Dans toutes les catégories, il était déjà surclassé. Il devient l'un des plus jeunes buteurs du club à l'âge de 17 ans. Il marque son premier but pour l'Ajax Amsterdam. Pour la suite, vous la connaissez déjà. Quatrième chose à savoir, c'est le plus jeune international néerlandais de l'histoire. Il a été appelé le 25 mars 2017. Il était âgé de 17 ans et 225 jours. On peut déjà dire qu'il a marqué l'histoire dans un sens. Malgré que je pense qu'il va fortement marquer l'histoire dans les années à venir. C'était contre la Bulgarie. Aujourd'hui, il cumule 15 sélections et fait partie des cadres assez logiquement de la sélection néerlandaise. Cinquième et dernière chose à savoir, il remporte le Golden Boy 2018. Il remplace Kylian Mbappé, le phénomène mondial. Grâce à ce trophée, il se hisse parmi les meilleurs plus jeunes joueurs mondiaux. C'est le premier défenseur à s'octroyer ce trophée. On peut dire qu'il est déjà en train de créer son histoire. Depuis cette période-là, et bien avant aussi, la valeur marchande du défenseur néerlandais ne fait qu'augmenter. Il fait partie des défenseurs les plus chers du monde. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo t'aura plu. Si tu veux voir autre chose à savoir sur un autre joueur en particulier, fais-le moi savoir dans les commentaires. Laisse un like, abonne-toi juste en bas. Faut qu'on atteigne les 10 000 abonnés. Et ciao.